Yo les gars, c'est les écrits du bonnet d'or. Aujourd'hui, on va faire un avant-après. Alors, ce sera des idées pour mieux réussir de belles vidéos. On va commencer. Petite technique, je l'ai donné aussi à son de bellefeuille. Prenez un pot et placez votre... Oula, mon pot il allait tomber. Placez votre téléphone dessus comme ça, ça évite que ça bouge et ça rend une meilleure qualité. Technique, une bonne lumière. Par exemple, si dans votre chambre il n'y a pas une super lumière, et ben moi j'utilise cette lampe. Voilà, et aussi on peut aussi. On appuie sur ce petit bouton, on peut l'éteindre, on peut allumer là. Et là, du coup, moi j'utilise pour avoir une meilleure lumière dans ma chambre parce que dans ma chambre il n'y a pas assez de lumière. Donc voilà, j'y mets. Technique, les mains. Quand vous faites un cours ou quelque chose, et ben essayez qu'on ne voie pas votre main. Troisième technique, oui. Alors, quand vous faites une vidéo ou vous vous présentez comme ça, et ben évitez qu'il y ait quelque chose qui gêne, par exemple la couverture, le sol qui n'est pas beau. Voilà, essayez que ça... Que ça gêne pas. Quatrième astuce. Dès qu'on loupe quelque chose, par exemple, si on oublie un mot et qu'on fait, par exemple, je vais vous faire la visite de mon centre. Aujourd'hui, je vais vous faire la visite de mon centre équestre. C'est parti! Cinquième astuce, toujours changer de plan. Alors là, je ne peux pas vous faire un avant-après, c'est parce que je ne peux pas mettre un autre plan parce qu'il faut toujours changer, donc voilà. Sixième et dernière astuce, ou peut-être pas, ouais, on va voir. Eh ben, améliorer les idées trop simples. Voilà, c'est fini pour cette petite vidéo. J'espère que ça va vous aider à faire de meilleures vidéos.